Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. He's 14 years old! Leave Alex alone! You asked a kid to make you a bomb! Are you stupid? That's Robert. He's the guy I was angry with on the phone. It's funny. I once considered him a friend. That's what he does. Uses kids. Did the same thing with a girl named Lola in 86. We gotta get him to step away from Robert and the bomb. A lot of people could get hurt if we don't. I did want to say something else. Something to you, Sonia. What is it? I'm coming for you. But now, some troubling news. Sonia is in danger. Hunches, the psycho is a taxi driver. That wasn't the would-be killer, Stan. Way too nice. Et bonjour, bienvenue pour cette troisième partie sur Road 96, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour s'approcher de la frontière à grands pas, hein. Mine de rien, là on s'approche de la frontière et j'avais vu un message de chargement qui disait que la traversée de la frontière est dangereuse, un truc comme ça, donc il faut être préparé. Voilà. Quelque chose me dit que ça va pas bien se passer, quoi. Oh non, non. Ah non, hein. Ah non, pas toi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va déjà améliorons notre karma. C'est vrai que j'aurais pu récupérer ce qu'il y avait, mais tant pis. Tant pis, du coup, c'est pas grave. On peut avoir besoin de nourriture. C'est vrai qu'avoir de la vie pourrait être bienvenu. J'ai pas trop aimé l'idée d'avoir vu le taxi par contre. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir forcément face to face Jarod là? Je suis caché. Je sens qu'on risque de pas avoir le choix. Hein. Après quelque part ça me va parce que... Ah oui d'accord. Ah ouais, le pire moment, quoi. En fait, j'allais dire, parce que de toute façon, il va falloir qu'on passe par là à un moment ou à un autre. Vu que je l'ai dit, hein. Je veux prendre ma revanche contre lui, hein. Ah, mais il est parti. Est-ce qu'il peut se casser? Parce que c'est lui qui siffle comme un petit bâtard, là. Qu'est-ce qu'il fout? Parce qu'il a pas l'air d'être dans sa voiture, là. Je sais pas où il est. Ça me plaît pas trop. Bon, déjà, on prend l'argent. Un petit sourire. Je le sens pas. Hein. Avec sa musique de mort là. Y'a pas de cassette là? Ah non, mais non, c'est mort ça. Il est où? Bah quand faut y aller hein. Hein? I don't want your money. Qu'est-ce qu'il me veut? Hein? I'm not one doing the talking. Mais qu'est-ce qu'il understand? Genre il sait qui je suis. I knew you'd come back to your van. You come here sometimes. You and your brigade friends. Mais... Did I say? Now, get in your filthy van and find me a light. I feel like having a smoke. Okay, j'y vais. Mais t'es pas bien, hein? T'es vraiment pas bien, hein. Did you find a light yet? Tiens.
J'avais vu qu'il y avait ça, tiens. T'étais vraiment un psychopathe, hein. Mais non, mais putain. I knew that was your van. Now we're gonna play a little game. It's called Hot and Cold. I used to play it with my daughter. Mm-hmm. TikTok. The game has started. Call. Ah, chaud-froid. Call. Mais putain, mais... J'en sais... Mais je sais pas, moi. Warm. Ah, warm. Non, non, d'accord, d'accord, d'accord. You forgot I had a gun. Non, mais... Call. Je sais mort. You're burning up. Là? Là? You're on fire. Connard. Super, hein. Taré, hein. Hein? That's a good brigade. Même... Now, I have a surprise for you. You like surprises? Non. Right. Non, mais oh! Grab the can. Good. Now, put gas on everything in the van. Everything. We're gonna watch it burn. That's the surprise. Mais t'es complètement taré. Ok, ok, j'y vais. Je vais me buter. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Bon, allez, vas-y, arrosez l'essence. Allez. Le truc, c'est que... Ouais, je pourrais regarder, mais... Là, le problème, c'est que là, j'ai pas du tout d'effet de surprise. Mais quoi, je suis en train de... Allez. Oh, you know what the surprise is. Must not have been a very good surprise. Mais je suis pas des brigades, hein. Maybe you aren't. Why should I risk it? Je pense qu'il a pas de conscience en fait. Je vois pas le rapport, mais vas-y, tente. C'est vrai que je suis une fille. You're just stalling. Go! But tell the other brigades! I'm coming for them! For what they did to Lola! Ah! Ok, ok. Ok. J'y vais. S'il te plaît, ne me tue pas. Mais non! Cours. Cours. Oublie que t'as aucune chance, cours. On a survécu contre Jarod. C'est déjà une première étape. Et on en a appris un peu plus sur lui, donc il veut se venger des brigades. Je vois pas pourquoi il veut buter Sonia du coup, à part si elle a un rapport avec les brigades. Vu qu'il est complètement taré, c'est possible qu'on ait aucun rapport, mais qu'il y pense quand même. Voilà. Allez, on se casse. Bien visiblement, nous y sommes. Ok. Bon. En vrai, ouais, je suis vraiment surpris d'avoir survécu contre Jarod, mais tant mieux. Hein. Alors, je tape dans la pierre parce que je me dis, tant, il y a une mine plus loin. Ça peut me servir. Hein. Je sais pas à quoi ça me sert de taper dans les pierres, mais... Mais j'aime ça. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je tape le caillou, je suis content, mais... Je pense que ça me soulage aussi de l'expérience Jarod. Ils vont passer la frontière avec moi. Attends, il y a un succès, hein, si je passe la frontière avec les cailloux. Un jour, peut-être qu'ils me serviront à quelque chose. Ah mais c'est la fin du voyage?
Genre c'est terminé. Bon bah adieu. Au revoir les cailloux. Et descendons. Ah merde. Ça nous met dans l'ambiance, hein. Je crois pas avoir de bouton pour me m'accroupir, hein. Donc comment on va faire? Parce que ça, c'est vrai que ça va être un problème. Il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen de passer les flics. Si possible, de manière discrète. Je sais pas vraiment du tout comment on va faire, en fait. Comme je sais pas à quoi m'attendre, j'ai aucune idée de plan pour l'instant. C'est vrai que c'est le problème. C'est que là, il va falloir improviser. Wow. Putain, c'est beau, ouais. Mais du coup, elle est où la douille? C'est là, c'est un ours qui nous chope. En tout cas, c'est stylé. Hein. L'arrivée à la frontière. Genre ça donne envie quand même. J'avoue là tu te dis ah ouais bon j'ai enduré Jarod mais pour ça donc ça va quand même. Ça vaut le coup. Bon par contre ouais, il va quand même y avoir une douille, je le sens. Je le sens, je le jure. La question c'est où, comment, pourquoi, qui et que faire. C'est pas des masses. Après, si c'est des traces de moto, on peut penser que c'est Stan et Mitch. Stan et Mitch. On peut continuer par là et aller là-bas. Allez. En fait, l'autre, ça m'a l'air d'être trop flag comme chemin vers la liberté. Là, je sais pas trop. Oh là là. Ouh là 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 là. Il va pas y avoir des mines quand même. J'aime beaucoup l'effet de l'eau. Je sais pas, hein. Tant je vais marcher, ça va faire boum. Je vais plus avoir de vie. J'ai un peu peur quand même. Je sais pas, j'ai cette appréhension. C'est pas par là. Là, il y a peut-être d'avoir un truc. Putain. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, mais c'est vrai qu'il y a les brigades aussi qu'on n'a pas vraiment vu encore. Parce que du coup, en vrai, moi je me suis demandé si Jarod c'était pas un membre des brigades, mais pas du tout, visiblement. Hein. Vu ce qu'il a dit, vu que sa fille a l'air de. Ah, mais Lola! Attendez, mais Lola! C'est justement la petite fille qu'ils ont utilisée en 86. Dont nous parlait John. Je viens de percuter. Ah! Du coup, il est vénère par rapport à ça. D'accord. Bon, bah, let's go. Oi. C'est quoi le bail ici? Il y a un truc, hein. Là. J'ai un mauvais pressentiment. Se reposer. Après, ça se trouve, ouais, derrière la lumière, c'est juste l'épreuve finale. Hein. Peut-être que tout ça, c'est pour arriver là, et ça, c'est un petit safe spot en mode... allez, on tente de se reposer, vas-y. Sûrement une connerie,
Mais je me dis que ça peut peut-être me permettre de récupérer ma vie et autant avoir le plus de vie possible pour ce qui m'attend. Sait-on jamais? Parce que si on doit prendre des coups, c'est peut-être bien de pouvoir endurer un ou deux coups. Mais... va-t-on le regretter? C'est bon, tout va bien. Bon, on a récupéré un PEV. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Allez, la police, elle est où, là? Voilà. Évidemment. Comment on peut sortir de ça? Parce que le problème, c'est que là... on parle de la police. À part si c'est Fanny qu'on peut peut-être essayer de corrompre, ça peut être compliqué comme histoire. Hein. Longer la route. Ben, je crois que j'ai pas le choix. Après, on nous avait parlé d'un autre chemin, mais on nous a pas donné plus d'infos. Ou alors, j'ai pas su lire les infos. 0 km. Le point crucial. Ah non, l'encodage. Ok. Yes. Comment on passe ça? Comment on passe? Bon. Ah bah c'est l'heure de tester. Snacks and drinks? Can I help you at all? Don't know who Stan it'd be if it wasn't. Keep it down, kid. You want to get mobbed up and I'll bust it. Can we trust you? Okay. Some kids try to hide in the trucks and get through that way. Of course, there's no guarantee you'll get past security. They got all kinds of security measures. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Alors après, c'est des caméras de surveillance, je peux peut-être les pirater. Oula, ouais, c'est quoi ça? Special 10-year commemoration of the collapse. Oh yes. There's some never before seen footage there. Oh, just proof that the government had explosives rigged on the mountain. Ah. Vas-y, j'ai tellement d'argent. Traitez autrui comme un ami et vous en serez fait un ami. Et vous vous serez fait un ami. Vas-y. C'est quoi, vas-y, hein. Putain, mais j'ai trop de choix. Alors, attendez. On va essayer d'analyser un peu tous les choix qu'on a. On peut pas crocheter ça. Forcer. Forcer, ça me coûte 2 de vie. Snacks and drinks? Can I help you at all? Et en gros, c'est on passe par là, quoi. On passe... Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a un mur. C'est vrai qu'il a construit un putain de mur. Irak. Je crois que c'est Irak. On va voir ce qu'il y a de ce côté-là. On va essayer d'analyser un peu toutes nos possibilités du coup. Ah mais ça c'est de là où j'ai un. Yes. Alors après il m'avait parlé de l'arrière de camion, je peux pas passer là. Non, je peux pas passer là. Et ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de cassette aussi. Du coup après on est full live, donc déjà on peut... on pourra tanker quelques coups. Tiens, ouais, tu penses quoi? I just hope it'll actually be democratic. But I'm not holding my breath. Even if it's not voter intimidation, they have other ways of altering the results. Après ça se trouve, les brigades spéciales font partie du gouvernement pour donner du discrédit à Flores. Et là par contre, effectivement, là ça devient autre chose. Par contre, comment je fais pour passer là? Parce que là on me dit forcer. Là j'ai un truc, mais je vois pas où c'est le point de passage en fait.
que là je reviens là. Là je vois pas comment je monte en fait. En fait je vois pas comment je monte. Je vois que je peux passer par là. Je sais pas comment. Et du coup là-bas j'ai aussi deux voies. On va aller voir un peu les voies qui sont proposées là-bas. On va essayer d'explorer voilà, toutes les possibilités qu'on a. Et ensuite on choisit. Bonjour, tu dois te parler ou tu... Whoa. Hold up there, kid. Merde, c'est un guetteur. Not unless I let you. Ok, ok, ok. Maybe I want, and why should I? Give me a good reason. Should have said so. Talk to my boss at the camp's entrance. She can hook you up, if you got the dough. Ah mais c'est les brigades spéciales ça. J'ai 84... Oh putain j'aurais peut-être dû garder mon argent. Selon à combien il monnaie ça peut être intéressant. Bonjour. Who wants to know? Maybe I can help with that. The important word being maybe. Alors ouais non mais ça c'est... Bah après il me dit 100% mais That's enough, all right. We'll leave later, when it's dark. Allez. Ah mais du coup j'ai choisi un truc moi. Bon bah si c'est le cas tant pis hein. Billy là. Par contre garder la carte de crédit m'aurait permis de lui donner un autre truc. Visiblement. Ouais, oh putain. Oh, c'est les sales ambiances ça. Ok. Before we go farther, I'll need what we agreed on. Ah mais quoi, il fallait que je lui repaye? Oh non. This is a business. You don't pay, I don't stay. Then good luck with the guard. I'm out of here. Mais non, 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 non. Sorry kid, you're on your own. Mais je rentre avec toi hein. Alors, je rentre avec toi et je réétudie mes options. Hein. Non, je savais pas qu'il fallait que je paye deux fois, moi. Comment je pouvais savoir qu'il fallait que je paye deux fois? Oh bah, je suis dans la merde. Ah bon, d'accord. Donc là, je perds un de vie. Technique. Ah saloperie. Hey, don't be scared. Ah. Ah. I tried to cross. I guess my night vision is non-existent. Ah. I was hoping you'd say that. Follow me. I know the way. Bon, y a une chance sur deux que tu sois un psychopathe, mais c'est pas grave, on tente. Hein. Genre en vrai, on tente, hein, parce que là... Tu veux pas l'allumer ta putain de lampe? Ça ne marche vraiment pas. Et on reprend un dégât. Je sais pas combien de temps on pourra faire ça par contre, mais That light ahead. I think it's a guard. Hope they can be bought. I'll follow you. If that's all right. Super. Bon bah, de toute façon. And I'll take that. And your friend? I don't have any. I see. That's too bad. Two kids just got past. Putain, mais non. Trying to escape. Run! Get back here. Bon, je pense que c'est mort. Bon bah let's go hein, super. On a réussi. Oh yes. Freedom. Nothing is more important.
But there are many others in Petra still looking for it. And their journeys have only just begun. Oh, tiens, on est le 24 juin. Sympathique. Sympathique, la coïncidence. Du coup, j'imagine qu'on commence... Ah, est-ce qu'on recommence à partir du 1er juin ? On recommence à partir du 24 juin. Je pense qu'on recommence à partir du 24, du coup. Ce serait marrant. En tout cas, on a réussi ! Bon, alors, c'est... Ça a coûté la vie de notre pote. On avait un autre choix à 77%. Je sais plus ce que c'était. J'ai pas vraiment pris le temps de lire. La survie avant tout. On aura réussi. Et ça, je suis content. C'est bien, c'est beau. Voilà. Bon, ceci dit, effectivement, bah, voilà, on a fini le jeu, mais en même temps, on s'est juste évadé une fois, quoi. On a eu un de ces adolescents qui est parti, qui a réussi à s'enfuir, mais que va-t-il se passer pour tous les autres ? Et quelles seront les conséquences pour le jour de l'élection ? Là, on a vu que pour l'instant, c'était tout en feu. Et on voit aussi qu'on est à l'épisode 3, donc si on rejoue, j'imagine qu'il va se passer des trucs. Bon, allez, on va juste lancer, histoire de voir, vu le temps de la vidéo, on va juste lancer le début de la prochaine run. Alors voilà, voir le premier tableau, ou au moins l'intro du premier tableau. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. In today's top story, a police officer used a public bus to transfer a prisoner. Little did she know, the bus was full of hardened brigades, putting her life, as well as the prisoner's, in danger. Thankfully, the officer managed to escape. Though shaken, she is recovering and will soon be back out on the road. The brigades. Now they're starting to take over our public transportation. That's why we need 10 more years of Tyrak to make sure this doesn't happen. In very good news, a large network of smugglers helping teens cross has recently been dismantled by security forces. Thank you for keeping our country secure, Border Forces. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. What a relief! As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonia hotline. Oh bah là, quoi qu'il arrive, on sera au volant d'une voiture volée. Après, on a un nombre de jours aussi. J'ai envie de prendre... Ah ouais, non mais deux balles. Non, non, on va jouer elle. And that has been the Sonia show. Thousands in this nation, including me, think the law should be changed. If the people of Petria want Tyrak to be our president indefinitely, who are lawmakers to stand in our way? You're absolutely right, Minister. If that's what the people want, then they should have this. Petria, after all, is a democracy. Mm-hmm. Ouais, bon. On va mettre ça, hein. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une carte grise. Ok. J'ai une carte grise sur moi. On est content. Run 96. On a trouvé une cassette. Non, peut-être pas accélérer. Une voiture, Petria Motors, des voitures solides pour une nation solide. Et du coup, on est en voiture, tout simplement. On a volé une voiture, voilà. Et là, il y a une mauvaise odeur. Bon, bah, visiblement, il faut accélérer, hein.
Police Academy, voilà. Voilà. Salut Fanny. T'es déjà de retour sur la route ? Any idea how fast you were going? I'm gonna need your license and registration. Oui. That's good. Oui. On va jouer le jeu, même si à mon avis. Ah mince. Comment je lui donne? Je les ai en plus. I'm everywhere these days, including Road 96. Ah yes. I'm working a case that requires it. You can, but I can't tell you. Now, like I asked, your license and registration. Elaine Winterbottom. Really? What? You're 42 years old? Then you gotta tell me your beauty secrets. Just a second. You're in hot water. On va pas être out there. Hein. Central, we got a situation here. What? These brigades think they're gonna take me down? Flora Peach Fuzz! I got news for them. When you go for the queen, you better not miss. D'accord. Faster! Je sais pas si je peux aller plus vite, mais en tout cas, je peux tourner. Bon. Quelque part, voilà, ça me permet de m'en sortir, moi ça me va. Du coup, les brigades veulent la buter. Intéressant. Comment ça. Ouais, bon. Ça commence à mal tourner cette histoire là pour les différents personnages. Après, je maintiens, hein. Moi je veux prendre ma revanche sur Jarod. Hein. Allez, on s'est entraîné à l'épisode précédent finalement. J'imagine que c'est pour nous préparer à ça. Putain. Ah, des bons petits coups de volant là. Hein. Des bons changements de style. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Surtout. Et l'autre il me dit ah, plus vite, plus vite! Plus vite, on a pas assez de risque d'accident là. Pour l'instant, en vrai. Ouais, bon, là c'était un peu chaud. Mais j'allais dire, les angles étaient un peu moins chauds que ce qu'on avait eu en moto. Slow down, kid. Oups. Ah merde, à quoi il ressemblait, j'ai pas bien vu. I should have never gotten you wrapped up in this. What was I thinking? You should go before all the cops get here. Go! Go! Merde, allez, à chaque fois j'oublie de me. Oui, j'étais mieux. Bon bah du coup, oui, ouais, voilà, hein, moi je me suis parti. Hein. Je ne demandais que ça. Ah bah ok. Accès, nouveau choix de dialogue face à la police. Intéressant. Ah. On va conduire. Ok. Intéressant. J'ai pas eu le temps de voir, ouais, je sais pas du coup si c'est passé ça, mais j'ai pas eu le temps de voir à quoi il ressemblait. Mais sympa, bon finalement ça se finit toujours bien avec Fanny. En vrai, je sais pas si elle fait exprès ou pas, mais elle est sympa quelque part. On va peut-être trouver Zoé. Ou
peut-être John. John ou Jack ? Je sais plus. Mais ce sera pour la prochaine fois en tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, du coup, ouais, sur la fin, je crois qu'il y a eu des oublis au niveau du démute. Mais écoutez, ça, voilà, c'est les aléas. Hein, écoutez, voilà, bon. En tout cas, c'était marrant, c'était sympa. On aura réussi à passer la frontière. J'y croyais pas. Je pensais pas qu'on y arriverait du premier coup, honnêtement. Là, on a en plus le pass gouvernemental, et je me dis que ça peut peut-être me servir aussi pour soudoyer les gardes. En mode, ouais, non, mais regarde, en fait, je peux passer, t'inquiète, je suis dans le coup. Y a peut-être moyen de faire un truc. Donc bon. Alors après, oui, effectivement, on a sacrifié complètement la vie de quelqu'un pour faire ça. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont eu aucune honte à le tuer. C'est pas notre faute. Je suis désolé, c'est pas notre faute. Bon, il nous a fait la courte échelle, il a voulu nous aider. C'est très sympa de sa part. C'est eux qui ont tiré. Est-ce que j'ai sa mort sur la conscience? Un peu. Un peu. Bon, au moins on s'en est sorti. J'aurais été plus dégoûté, je pense, si j'étais mort. Donc, voilà. Tant pis. C'est le RP. C'est le RP avant tout. Bref. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de Road 96. Le jeu est vraiment sympa. Hein. Vraiment, vraiment sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a encore en plus à proposer. C'était Blue. Prenez soin de vous. Bye bye.